Salut à tous et voilà, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo de Summon, c'est une Summon Day. Alors attention, c'est parti. On se retrouve sur le compte d'Unpeo. Unpeo, j'ai du mal à prononcer ton pseudo, c'est assez difficile. J'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Mais ça va très bien. Alors, ne cherchez pas, ça ne veut rien dire. Moi aussi, j'ai demandé, je me suis dit, Unpeo, peut-être que ça veut dire quelque chose. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas, voilà, ça ne veut rien dire. C'est voilà, un jour, il y a un pote qui l'a appelé comme ça, et du coup, c'est resté. Unpeo. Eh ben, écoute, très bien. Peut-être que ton pote, il parlait une langue étrangère, que tu ne savais pas, peut-être. De l'occitan. Et ça ressemble un petit peu, hein, quand même, l'occitan, ou du, je sais pas, corse, je sais pas, mais on dirait un mot de patois du sud, quoi. Ouais, voilà. Alors, voyons voir, faisons un petit tour de cette box, Unpeo. Hop, ça. Oh, il y a des trucs sympas, là, je vois des trucs sympas. On va aller faire un petit tour sur ton profil. Hop, archive. Alors, il joue depuis 1634 jours. Bah dis donc, pas mal du tout. Ça fait beaucoup. Ça nous rajeunit pas. Depuis quasiment le début, ouais. Voire même peut-être le début, c'est super long, en tout cas. Arène. Pas encore le C1. Depuis tout ce temps. Le C1, c'est la semaine. Mais après, tu vois, la rush hour, en général, je la fais pas. Ah, c'est ça. Ouais, ouais. Non, mais c'est clair que là, C1, c'est vraiment un step. Hein. Faut vraiment, effectivement, faut faire la rush hour, faut avoir une bonne def, tout ça, tout ça. Donc, effectivement, ça, c'est un petit step à passer. Hein. Arène World, ligue spéciale. Au moins, il fait ses combats de placement. Très bien. Félicitations à toi. Bravo. Géant en guild, géant en GVO. Ok, et eh bah ben, écoute, ça par contre, ça finit pas la TOA, après tout ce temps? Non, et non. TOA hard là, alors, non, alors? Ouais, je bloque chaque fois à peu près à 16 étages, et puis bon, en gros, ça me saoule, et bon, je ne réessaie pas. Ça me saoule, je balance ça. Ça regarde pas. Ok, très bien, très bien, très bien. On va aller regarder cette box là, qu'est-ce qu'il y a dans cette box? Hop, alors voyons voir, Amelia. Pas mal du tout. Psamat, pas mal du tout. Une première Alicia. Bah oui, parce qu'il y en a une deuxième là. Pra, Camille, Galion, Kuma, Rika, Juno. Bon, ok. Zeros, ok. C'est bien. Triton. Oh là là, il y a un Triton. Il y a Syrah. Aïe, aïe, aïe. C'est une belle box. C'est une très, très belle box. Qu'est-ce qu'on a d'autre au stockage que tu nous aurais caché? Il y a un Okeanos. Ok. Pas mal, hein. Moon, bon, il y a de la Kata, ok. Ok. Bon, pas mal. Une box sympa. Une box. Niveau 5 étoiles, ouais, je suis bien servi franchement, quand même. Franchement, une box sympa. Niveau 4 étoiles, est-ce qu'il te manque quelque chose? J'ai vu Galion. Ouais. Il me manque les jumelles. Il me faut une China. Là, c'est... Ah, t'as pas China? Ah ouais, d'accord. En fait, j'avais arrêté pendant ces nouvelles mises à jour où ils ont ajouté les jumelles. Mais les points. Et ouais, du coup j'ai repris il y a quelques mois là. Et ouais. Et j'ai pas summon depuis. Du coup j'en ai, je crois que j'ai l'avant. Ouais, t'as Sabrina, hein, la boomerang haut. Et du coup c'est vrai que pour aller avec, et ouais, une petite China, ça serait parfait. Très bien, ouais. C'est rigolo d'avoir monté croix. Ok. Ouais, je me suis dit, tu te dis, allez. Et puis finalement j'ai arrêté de monter. On fait des expériences. C'est pas mal. Exactement. Allez, voyons voir ce que tu nous as mis de côté pour cette summon. Une PO. 4 vélins légendaires, 12 vélins light and dark, des vélins élémentaires et 217 vélins mystiques. Il y a même 2 bénédictions. Il a, voilà, il a la confiance. Il est chaud, une PO. Il se dit, hey, 2 bénédictions, c'est le minimum. J'ai au moins besoin de ça. Mais il a raison. Moi, je pense que t'as raison. On sait jamais. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Du coup. Allez, c'est parti, on est parti. Tout ce qu'on veut finalement, c'est China. Après, voilà, l'objectif. S'il y a un petit 5 nat, on dit pas non, évidemment. Mais ouais, clairement, c'est China là. Là, franchement, il faut que tu la snipe au pierre. Hein. Franchement, il faut que tu la snipe. La dernière fois. Eh zut, c'est pas tombé. Et c'est pas tombé. Allez. J'ai eu d'autres 4 étoiles, mais pas China. Allez, une petite étincelle là, ça fait plaisir. Ah, d'accord, c'est Olivia. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut China. Mais c'est très bien. Une première étincelle comme ça qui arrive vite.
200 vélins mystiques, hein, statistiquement parlant, bah, on peut espérer quand même un 5 nat. Hein. Donc on croise les doigts, et puis surtout ce qu'on veut, hein, c'est Shaina, quoi. C'est Shaina. Hop. Alors c'est vrai que si t'as arrêté au moment où elles sont sorties, ça a été clairement une révolution. Hein. Elles ont clairement révolutionné un petit peu le PVE, voire même un peu le PVP. Ouais. Et maintenant elles sont vraiment omniprésentes. Donc du coup, bah voilà, c'est un petit peu. C'est sûr que si tu les as pas, bah, tu joues pas avec les mêmes cartes que tout le monde, quoi. Ça c'est un peu dommage. Non. Parce que là tu vois, pour optimiser un peu mes teams GB et DB, bah, j'aimerais bien. Ouais, mais je comprends tout à fait, je comprends tout à fait. J'ai vu que t'avais un Lucien, mais t'en as qu'un, t'en as un deuxième ou pas? Un deuxième, je l'ai pas monté, okay. Mais j'en ai au stockage. Ah d'accord, on vient de choper un fake 5, c'est Wushi, on est ravis. Hein. Parfait. Bah, parfait. C'est pas du tout ça qu'on veut. Le 5 ou 6ème. Ça sera de la food. De la bonne food. Voilà. Allez, toute prête là. Il n'y a plus qu'à être mangé. Ce sera pour monter le prochain 5 nat qui va tomber. Exactement. Voilà. Niveau 5 nat, il y en a un qui te... plus que les autres. Un petit là qui te paierait vraiment, vraiment. Après, j'ai, franchement, là, ouais, voilà, avec la box que j'ai, je demande rien de particulier. Bon, c'est sûr que. Bah, après, j'avoue, c'est clair que t'as un lit 33, t'as un excellent stripper, t'as une immunité 5 étoiles. T'es pas mal. T'es quand même pas mal. Ouais, je suis pas mal. T'as des knuckers, t'as Zeros, t'as Alicia, donc t'es quand même pas mal. J'avoue que, en vrai, tant que c'est pas un doublon, je crois que tu seras content, quoi. Takumar, ouais, qu'est-ce qui pourrait manquer? Peut-être, ouais, un petit feignant, tiens. Un petit bruiseur comme ça. Un bruiseur, voilà, c'est exactement ce que j'allais te dire. Un bruiseur, ce serait pas mal. Ouais, un petit feignant, ça serait très bien, j'avoue. Et j'apprécierais. Un petit archange. Y a pas d'archange sur ton compte. J'ai pas d'archange, non. J'avoue, ça manque. Moi, je pense que sur tous les comptes, il devrait y avoir des archanges. Hein. Moi, je. Voilà, hein, c'est mes monstres préférés, donc du coup, je suis peut-être pas très objectif, mais. Je pense qu'il devrait y avoir un archange sur tous les comptes. Ouais, ouais, ça serait. Je vais proposer ça à CompTOS. Je suis sûr qu'ils vont être d'accord. S'il vous plaît, un petit archange pour tout le monde, c'est cadeau. Allez. Hop. Par contre, on n'a pas les mains d'étincelles là. Et ouais, j'ai l'impression. Ouais. Oh. J'entends qu'il dit, mais c'est ouf, hein. Allez, allez, les étincelles là. On a fait 50 vélins. On en a eu quoi? 3? Petit effort, s'il vous plaît là. Oh là là. C'est pas possible. Ça ne veut pas. C'est pas comme ça qu'on va avoir Shaina, hein. S'il vous plaît, faites un effort, mettez-nous des étincelles. Oh là 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 là. On a eu des fakes, mais ça nous fait une belle jambe. Nous, ce qu'on veut, c'est des vrais monstres, quoi. On veut des étincelles. Allez, mais sortez-nous des étincelles, sérieusement. Ah bah voilà. Non mais quand même. Super, lapis. Parfait. C'est exactement ce que tu voulais. Pas du tout. Oui. Bonne lapis. Pas du tout. Bien qu'elle soit pas mal en vrai maintenant. Hein. C'est vrai que, écoute, au début, quand j'ai commencé, la piste c'était pas vraiment foufou. Ah non, hein, c'était pas fou. Hein. Pendant longtemps, c'était pas fou. Hein. Mais maintenant, c'est sympa. Bon, elle se traîne toujours. Hein. Elle a peu une patte folle, tu vois. Elle boite un petit peu, du coup, elle a 90 de vitesse. C'est un petit peu lent. Hein. Mais bon, à part ça, ça va. Son skill quand même 7... bien. Ouais, son skill set est sympa. Son skill set est sympa. Mais sérieusement, mettez-nous des étincelles, sérieusement. Mais c'est ouf, ça. Ils vont tout arriver à la fin, peut-être. T'as plutôt de la chance, habituellement, ou pas trop? Ouais, t'as quand même une belle box, hein. Ouais, j'ai une belle box. Après, c'est des coups de folie, tu vois. J'ai fait une summon session une fois à 80 vélins. Il y a 3 nattes qui sont tombées, 3-5 nattes. Ah ouais, d'accord. Comme ça. C'est aléatoire, quoi. C'est aléatoire. Ouais. Bon, là, t'es plutôt dans un creux de la vague, hein. On va pas se cacher que... Yes. Allez, une ligne, ligne, c'est parfait. Aïe, aïe, aïe. Ah, voilà, les étincelles qui arrivent, là. Wouhouhou. Super, Julien, c'est génial. C'est exactement ce qu'on voulait. Aïe, aïe, aïe. J'ai des bénédictions à tomber, là. Il faudrait les utiliser. Eh, hey, il en a pris deux, là. C'est pas pour... hein. C'est pas pour faire joli, là. Exactement. Ok, ok, il y a les étincelles qui se réveillent. Ça y est, c'est pas trop tôt. On a mis du temps à se chauffer. On a mis une bonne centaine de vélins à se chauffer. Ça fait bien plaisir. Bon, bah, espérons que maintenant on soit bien chaud et que ça continue sur cette lancée. Allez. Allez.
Bon. Petit effort. Ça veut pas. Ah, j'ai l'impression que ça veut pas, ouais. Ah, là, j'ai eu l'espoir, tu vois. Genre, il y a eu 2-3 étincelles d'un coup. Là, je me suis dit, ouh, sympa. Mais ça s'est arrêté. Allez! Ah, Garo. Très bon 4 nattes. Je l'ai monté, Garou, je Très, suis très du très bon skill-up. 4 nattes. Excellent. Bon, Pas c'est pas ce encore qu'on full veut. skill-up, donc très bien. Eh ben, c'est parfait. Bon! Eh ben! On peut dire que c'est un début compliqué, hein? C'est un Ah ouais? début un petit peu compliqué. On va aller se faire de la place et j'espère que la suite, ça sera meilleur. Il nous reste 100 vélins mystiques. Bon, les amis, petit bilan. On a fait, on va dire, 120 vélins, on a eu 6 étincelles. C'est inacceptable. C'est pas possible. On peut pas supporter Oui. ça. Umpeu et moi, on n'est pas d'accord. Non, pas du tout. Alors, La chaîne, elle va pas tomber là. si vous voulez pas qu'on enfile nos gilets jaunes et qu'on aille faire notre manifestation devant le bureau de Come to Us, va falloir que ça tombe. Il reste pile poil. Bloquer les ronds-points. Ah ben là, on est capable de tout, hein. Nous, vous nous connaissez pas. Hein. Il reste 100 vélins mystiques. On veut évidemment les 8 étincelles syndicales, hein, minimum. Et puis on veut Shyna, quoi. Sortez-nous Oui. Shyna! Non mais oh! C'est ça dont j'ai besoin, hein. Ah bah écoute, quand même! Allez là! 8 étincelles. Hein. Il y a intérêt d'y avoir ces 8 étincelles sur les 100 derniers vélins. Hein. Ouais. Sinon, ça va être le scandale. Hein. Mais un peu plus pour attraper celle qu'il n'y a pas eu avant. Ah carrément, toi t'es comme Hein. ça. T'as noté la dette! T'as noté la dette d'étincelles! Ah, bien Allez! sûr. Ils ont pas à la payer comme tout aussi. Olivia, encore une fois. Très bien, très bien. C'est parfait. C'est pas du tout ça qu'on veut, mais c'est sympa. C'est sympa, ok. Allez, allez. Ça en fait une. Allez, il en reste 7. Où sont-elles? Où sont les étincelles? Oh là là! L'enfer. Oh! Y a rien. Non mais sérieusement, il est cassé ton Stonehenge, genre, il y a quelque chose, c'est pas possible. T'as joué avec, je sais pas ce que t'as fait, mais il est cassé, il ne fonctionne plus Mais mon quoi. compte est en chantier en fait, je pense que ça doit être Ton compte est ça. en Hein. C'est chantier! j'occupe mon ménage, j'occupe la déco, ça doit être ça. Oui, c'est vrai, j'étais en train de me dire, c'est sympa sa déco, mais on dit, ça a un petit côté pas fini quand même. Ah, c'est pas fini. C'est ça. Ça va rester en chantier un moment, je pense encore. On est toujours qu'à une étincelle, hein. Ok, on a fait bientôt 40 vélins, hein. Attendez, c'est pas possible. Alléluia! Une étincelle! Yes! Un guildong! Donc, Yes! Oh, dis donc! La deuxième! Allez, c'est pas mal! Il nous en faut encore 6! Purée, c'est fou, hein! il en faut 6, mais il faudrait qu'elle soit sympa quand même. Ah ouais, parce que là, en plus, le pire, c'est que, franchement, excepté Garo, les Eh ouais, étincelles que qu'on des a eues, bêtes. elles étaient pas fofolles, hein! Donc, il n'y a ni la quantité ni la qualité là. Là, il n'y a rien. Nada. Que dalle. Ah, c'est ouf, quoi. Oh. Alors, Ça va écoute, j'en ai fait des mauvaises summons. Évidemment, hein, c'est aussi le jeu. Hein. La summon, la RNG, tout ça, on le sait, c'est le jeu. Des fois, on a de la chance, des fois, on n'a pas de chance. Donc, des mauvaises summons, j'en ai fait dans ma vie d'invocateur. Mais. Regardez comme ça. Je dois quand même dire que la tienne, elle atteint un certain niveau de somme. Hein. Ouais, exactement. Yes! Ça me Troisième! kill. Yes! Troisième étincelle! Oh, un magnifique Aquila. C'est beau. Ok, c'est la troisième. Il nous en faut encore 5. Il nous reste 40 vélins pour Ouais, avoir c'est chaud. 5. Eh! Non mais on ne sait jamais. Attends, à tout moment, tout à coup, il se passe un truc, quoi. Genre, Le stonnage c'est le Mimi, c'est le affecte la zone. Raracle, c'est le Miracle. Et boum, les étincelles s'enchaînent, se succèdent, et les Natsang qui tombent, quoi. À l'appel. Je vérifie un peu les taux de drop, hein, parce que là, je suis un peu choqué quand même. Ils C'est pas ont baissé. possible. Juste pour C'est accourir. pas possible. Des choses pareilles, on n'a jamais vu ça. Hein. Ça fait très très mal. Hein. Je vous avoue que. Oh! Yes! La quatrième! Oh! C'est un at 5! Yes! C'est quoi? Wouhou! Enfin, c'est pas mal. Bon alors, tu vas avoir le choix. Mais je crois que tu as déjà l'un des deux. Entre Camille, Valkyrie O, J'ai ou. déjà Camille. Et voilà.
Donc ça sera le druide haut, du coup. Ok. Hop. Je connais pas trop les druides. Je les connais pas trop non plus. Moi, j'avoue que le druide haut, c'est clairement pas celui qui me plaît le plus. Ouais. J'aime bien le vent, j'aime bien le feu. Le haut me plaît un peu moins. C'est Abelio, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais bon, voilà. Eh ben, écoute, en tout cas, c'est parti. Moi, il y en a eu un. Voilà, il y en a eu un. Et du coup, on est dans les stats. On n'est pas dans les stats pour les 4 nattes, mais pour les 5 nattes, on est bien. Pour les 5 nattes, on est bien. Et il nous reste 30 vélins. À tout moment, c'est le miracle. Hein. Il nous en reste 5 à avoir. Non, 4, 4, 4. 4, du coup. Allez, on peut se faire. Il a l'espoir encore. T'es un mec positif en fait. Umpeu, c'est peut-être ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire le mec qui est toujours. voilà quoi. Il y croit. Il y croit à mort. Jusqu'à la fin, il y croit. Mais la China, je la veux, j'y crois, ouais. Ah, tu m'étonnes, purée. Putain, allez, s'il vous plaît. Non. Yes. Ah. Yes. Allez, China là. China là. Non. C'est pas ça du tout. Ok. 3 étincelles. 3 étincelles en 13 vélins. C'est possible. Tout est possible. 3 étincelles, c'est même possible en 3 vélins. Donc là, on est large. Ha. Et tout, puis voilà. On s'est tellement fait voler sur les étincelles, c'est ouf. Hein. Ah ouais. Heureusement qu'il y a eu Snat 5. Hein. Il vient sauver la conversation là. Yes. Étincelle. Oh, c'est pas China. Il reste 3 vélins. Et il nous manque 2 étincelles. Eh bien, allez. Le dernier. Ouais, ok. Pas d'étincelles. Non, on s'est fait encore une fois arnaquer. Hein. C'est terrible. Hein. Donc, niveau étincelles, on est bien en dessous de la moyenne. Par contre, ok, on a eu un AT5. Et ça, rien à dire. On est dans les stats. Ok. Ok. On va garder les vélins de feu pour la fin. Au niveau des vélins élémentaires, parce que bah voilà, on garde toujours le meilleur pour la fin, et vu qu'on veut China. Alors, une petite étincelle là sur un de ces vélins devant. Non. C'est pas grave. On va se rattraper sur les vélins d'eau. Il y en a 9, on n'a pas eu d'étincelle sur les vélins devant. Est-ce qu'on en aura une sur les vélins d'eau? Allez, allez. Aïe aïe aïe. Oh. Mais enfin, je sais pas, il est mouillé ou il y a quelque chose, ou alors c'est l'accent du sud qui fait peur aux étincelles, je ne sais pas. Ouais, c'est la sécheresse, ça a peur de foutre le feu, tout ça, je sais pas, hein, mais il y a pas d'étincelles, c'est ouf. Hein. C'est ouf. Dans la garrigue. Aïe aïe aïe, là, la garrigue, écoute, il risque pas d'y avoir d'incendie, hein, parce que c'est pas avec les étincelles qu'on a eu là, là, il y a pas de problème. Hein. T'es pas pompier, non, je sais pas, il y a un truc quoi. Bon, 9. Vélin de feu, on veut China. Sérieusement, même s'il n'y a qu'une seule étincelle, c'est maintenant. Il faut que ce soit maintenant. S'il vous plaît. Yes, elle est là. Elle est là, l'étincelle. Ah, c'est pas China. J'y ai cru, hein. Franchement, j'étais bien. Hein. Allez, allez. On peut encore en avoir une. Allez, on peut en avoir une. S'il vous plaît. Oh. Eh ben non. Eh ben tant pis. C'est terrible, hein. Je répondais, hein. Peut-être une China qui tombe, hein. Aïe, 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 aïe. C'est terrible. On va faire les vélins légendaires, et on finira par les Light and Dark. 4 vélins légendaires. 4 étincelles, 4 chances d'avoir China. C'est beau. Ce serait beau, à ce stade, ce serait vraiment beau. Alors là, on serait sauvés, hein. Je t'avoue qu'on serait sauvés. Et c'est un Lushen. Ok, c'est pas mal. Ouais. Je pense que mon compte est abonné au Lushen en fait. Hein. J'en ai eu. À l'appel. Dis pas ça trop fort hein, parce que tu sais, il y a des gens. voilà, ils sont un peu sensibles sur le sujet. Il faut pas trop déconner avec ça. Hein. Les Lushen, les Galions, c'est le genre de monstre. Faut pas trop. J'en ai fou des dizaines. Hop là, comme ça. Bon. J'ai pas peur de le dire. Allez, c'est un Anubis. Anubis vent. Oh. Ok. Il en reste 2. Allez. Bon, c'est une boomerang. C'est dommage. C'est une boomerang. C'est la boomerang vent. Nous, ce qu'on veut, c'est une chakram feu. Hein, c'est presque pareil, mais pas du tout.
Dernier vélin légendaire. Allez, le sauveur. C'est parti. On l'appelle comme ça, c'est le sauveur. C'est ce vélin, c'est le sauveur et c'est un galion. Eh mais. Bon, on a quand même chopé Galion Luchenne dans la même semaine. Hein. C'est pas mal. Il y a des gens, voilà, il y a des gens encore sensibles là-dessus. Hein. Comme je l'ai dit, hein. Désolé, pardon. Hein. Voilà, Galion Luchenne, pardon. J'ai aimé l'avoir. Bon, j'espère qu'on va se rattraper sur le Light and Dark. Au moins une étincelle. Hein. Écoute, ça serait sympa. Mais bon, vu qu'on n'a pas l'air trop abonné aux étincelles, et que sur les Light and Dark, c'est encore plus dur d'en avoir, je t'avoue que... Vraiment ? Je pars pas très confiant. Je pars pas très confiant. Est-ce qu'il y a des 3 étoiles qui te manquent en Light and Dark ? Les loups-garous, les deux. Ok. Alors, si au moins on pouvait choper ça... Aïe, aïe, aïe. Pas d'étincelle, allez. Petite Jultan, petit cher, non, pas du tout. Allez. Aïe. C'est terrible, hein. C'est terrible. Hein. Tralala. Une étincelle, s'il vous plaît, pour se rattraper de cette semaine que vous avez fait là. RN Jesus, fais quelque chose, s'il te plaît, RN Jesus. Je t'en prie. S'il te plaît. Il n'est pas d'humeur. Voilà. Il n'est pas d'humeur. Viens avec nous. Viens, pose ton regard plein de compassion sur cette semaine terrible et permets-nous d'avoir une étincelle sur un Light and Dark. Je t'en prie, RN Jesus, fais ça pour nous. Je sais pas, on a dû faire quelque chose, hein. on a péché envers RN Jesus, je ne sais pas ce qu'on a fait, mais... Sûrement. Aïe, aïe, aïe. Ah, un fake 4 étoiles, terrible. Parfait. Pas qu'on veut, hein. Ah, c'est terrible, c'est terrible. The food light and dark. Dernier vélin Light and Dark, dernier vélin de cette summon, on peut voir. Ah, y a pas d'étincelle. Pas d'étincelle. Et... Oh là là, c'est un Yeti. Bon. À casser les potes, mais dans le mauvais sens. Voilà. Oh là 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 là, c'est pas formidable du tout, hein. Si on fait le bilan cette semaine, les amis, sur 217 vélins mystiques, on a eu 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On retire les 4 vélins légendaires. 12 étincelles. 12 étincelles sur 217 plus les, on va dire, 27. Donc, on va dire, ouais, 235, 240 peut-être, vélins mystiques. 12 étincelles, vous vous rendez compte? Quel enfer. Heureusement, heureusement qu'on a eu ce petit druide haut, Abelio, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Aïe, aïe, aïe. Heureusement qu'il est tombé, lui, hein, parce qu'alors oui. Là, du coup, niveau 5 nats, on est bien, on est dans les stats, mais alors niveau 4 nats, on s'est fait voler, quoi. On s'est fait voler. On a quand même eu un galion à Luchenne, un garrot, donc finalement, ça va. On a du skill up boomerang, on a du skill up Anubis, donc. Ok. Mais purée, qu'est-ce qu'on a manqué d'étincelles, hein. Terrible. Terrible, terrible, Mpeu. Ah ouais, bon, bah, il faudra que je rééconomise pour la prochaine semaine. Hein. Eh ben, en tout cas, je trouve que toi, tu restes positif, hein, et tu m'en veux pas, et ça me fait très plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Non, je ne suis que l'instrument d'RN Jésus, hein. Ah ben, voilà. En plus, vous avez gagné en GVG, c'est magnifique. Félicitations, voilà. Hein, la petite guilde. Hop. Happy sum. Eh ben, voilà. Là, eh, voilà, ils ont le sum, mais ils ont le sourire. Ouais, c'est magnifique. Merci beaucoup, LPU, en tout cas. C'était très sympa. Désolé, hein, il n'y avait pas les étincelles, mais en tout cas, bah voilà, il y a le soleil du sud. Ça m'a fait très plaisir. Je vais te rendre ton compte. Ça tombe bien, il y a le GVG qui a commencé. Et puis, je te dis au revoir et à la prochaine fois. Ciao! À bientôt.